Je vous l'avais annoncé, j'ai envie de lancer un nouveau projet. C'est pas un nouveau business, c'est pas un nouveau projet startup, c'est un projet de création de contenu. Pour tout vous dire, j'aime beaucoup YouTube, c'est vraiment un format qui me plaît beaucoup. La vidéo, j'ai mis du temps à vraiment commencer à être à l'aise à en faire. Je commençais par des posts écrits au tout début, j'étais pas assez confiant pour réussir à me montrer. Une fois, j'avais fait un article dans lequel le journaliste me demandait si je pensais à la vidéo ou pas, et j'avais répondu que j'étais pas encore assez prêt, que j'avais besoin encore un peu de temps pour me préparer à ça, au fait de vraiment de te montrer et t'exposer en fait aux gens. Mais je dois avouer qu'avec le temps, avec les années, avec la confiance, avec la création de contenu, c'est un truc que j'ai commencé à aimer faire. Ça me challenge tout le temps quand je fais des vidéos. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Il faut réfléchir un petit peu à comment structurer le message. Il faut réussir à transmettre aussi des émotions, transmettre des choses qu'on a réussi à apprendre. Et je pense que c'est le meilleur format pour réussir vraiment à embarquer les gens dans ce qu'on peut réussir à apprendre tous les jours et dans ce qu'on appelle un peu son parcours de vie personnel pour réussir à accomplir ses ambitions. Je me suis fixé vraiment deux gros objectifs, ces deux grosses ambitions. La première, c'est de créer une entreprise qui crée beaucoup d'emplois, qui aide beaucoup d'entreprises et qui vraiment arrive à grandir, à croître tous les jours et qui arrive à donner vie à la vision qu'on se fixe au quotidien. Et l'autre ambition que je me suis fixée, c'est de réussir à inspirer des millions de personnes à oser leurs ambitions. C'est vraiment ce qui me motive, ce qui me drive chaque jour sur LinkedIn, sur d'autres réseaux. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de pousser encore un poil plus loin, d'essayer vraiment de créer cette fois un projet à part entière dans cette envie et ce but de documenter mon parcours d'entrepreneur. C'est pourquoi j'ai le grand plaisir de vous présenter la série Road to Success. C'est une série que je vais faire jusqu'au 31 du 12 2020, donc pendant maintenant encore environ 6 mois. Pourquoi ? J'ai envie en fait de vrai. J'ai envie de vrai, j'ai envie d'authentique, j'ai envie de spontanéité. J'ai pas envie de jouer un peu à l'entrepreneur qui montre que c'est facile, qui montre que ça marche, que c'est bling bling, qu'on a des belles montres, des belles bagnoles. Au contraire, je veux vraiment essayer de vous embarquer dans une série vidéo dans laquelle je vais documenter de façon super authentique et super transparente tout ce parcours, ce chemin, les efforts que je mettrai en place pour réussir à atteindre mes ambitions et les projets, les défis que je me fixe quasiment chaque jour. Donc voilà, c'est une série que je veux lancer sur YouTube qui s'appelle Road to Success. C'est pas le chemin du succès, c'est pas comme ça qu'il faut le percevoir. C'est ma route personnelle qui va me mener à réussir à atteindre mes objectifs. Maintenant, c'est clair que c'est que 6 mois sur une vie, plus ou moins. Le succès, c'est propre à chacun de se définir. J'ai ma définition du succès, j'ai ma définition des choses que je vais réussir à accomplir. Vraiment, je suis pas là pour vous dire comment faire. Je suis pas là pour vous dire que c'est facile. Je suis pas là pour faire briller les choses. Je suis là pour dire vraiment concrètement ce que ça nécessite, ce que ça demande de mettre en place comme effort pour réussir à atteindre ses ambitions. J'ai des ambitions très élevées, je le sais, mais c'est ce qui me drive quasiment chaque jour. Je suis juste un gars de 28 ans, entrepreneur, qui a commencé à créer ses projets il y a 6 ans en arrière. J'ai une magnifique chérie, je suis fou amoureux d'elle. J'ai un entourage de fous qui me pousse chaque jour vers l'avant. Et du coup, je vais essayer de documenter un petit peu ce parcours d'entrepreneur pour vous parler un petit peu de ce que j'apprends, de ce que j'expérimente, vous embarquer vraiment à fond dans les projets que je mène, comment je vais réussir à faire grandir mon agence. J'ai une boîte marketing pour ceux qui ne savent pas encore, qui est basée à Lausanne. Comment je vais réussir à la faire grandir, comment je vais réussir à la faire croître, comment je vais réussir à engager du personnel, à changer de bureau, à parler à plus de clients encore. Comment je vais réussir à créer du contenu qui va être encore plus engageant. Et je veux vraiment le faire sur une base super authentique. Je pense que c'est le maître mot de cette série Road to Success. C'est vraiment de le faire de façon très authentique, très réelle, très vraie. Il n'y aura pas de chichi. Et voilà. Du coup, vraiment, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Le format, ça va être assez simple. Je vais essayer de me tenir à cette fréquence, de faire une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Comme ça, vous aurez un petit peu deux épisodes dans la semaine pour vous montrer un petit peu. Vraiment, au quotidien, il faut vraiment le voir comme une sorte de série où je parlais vraiment des projets qu'on mène. S'il y a un projet qui plante, j'en parlerai. S'il y a un projet qui réussit, j'en parlerai. Je parlerai aussi de pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, pourquoi est-ce qu'ils ont planté. Je parlerai de stratégie, de comment est-ce que je pense les choses, comment est-ce qu'on met en place des événements, comment est-ce qu'on met en place la prospection. Bref, vraiment, je vais vous embarquer à fond dans ce parcours d'entrepreneur, dans cette vie d'entrepreneur que j'ai pu choisir, qui me kiffe chaque jour, qui est très difficile, c'est clair. On va pas se le cacher, mais je veux vraiment essayer de documenter un peu ça. Et si je peux réussir à vous inspirer, à vous motiver, à créer quelque chose, à aller au bout de vos ambitions, ça peut être entrepreneur ou pas, d'autres projets, mais juste si je peux réussir à vous transmettre un petit peu l'énergie qui me motive chaque jour à accomplir ces choses que je me fixe, bah du coup, ma mission sera accomplie et je serai le gars le plus heureux du monde. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît comme série. Une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Je vais vraiment essayer de m'y tenir à fond, c'est une grosse priorité.
Maintenant, c'est clair que si une fois une semaine c'est super chaud, bah, je vais essayer de faire du coup peut-être qu'une vidéo. Mais je vais vraiment essayer de maintenir ce rythme. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît, que ce concept vous plaît. Ça a duré jusqu'au 31/12/2020. Maintenant, c'est clair que bah oui, le succès c'est un truc qu'on travaille tous les jours. De nouveau, c'est propre à chacun de se définir. Il y en a pour qui ça va être d'être heureux, il y en a pour qui ça va être de voyager, il y en a pour qui ça va être de trouver leur moitié. On a chacun un peu sa propre définition du succès. C'est la plus belle liberté qu'on puisse avoir, c'est de la fixer nous-mêmes. Mais du coup, j'ai envie d'essayer de documenter un petit peu ce chemin pour réussir à atteindre mes ambitions. C'est comme ça que je le vois. Vraiment, si vous kiffez le concept, mettez un like à cette vidéo pour que je puisse voir un petit peu si ça vous plaît ou pas. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais vraiment essayer d'envoyer du lourd les prochaines semaines. Je vais vraiment essayer de publier des vidéos vraiment très spontanées. Et encore une fois, j'aime beaucoup le préciser, je suis pas là pour dire comment faut faire, je suis pas là pour donner la leçon parfaite, je suis pas un donneur de leçons. J'aime bien documenter et partager ce que moi j'apprends, ce que moi je teste. Je vais foirer plein de trucs, je vais tester plein de trucs, je vais réussir quelques trucs. Mais je pense que c'est important que je puisse documenter un peu ça pour essayer d'apprendre personnellement aussi, mais aussi partager un petit peu ces apprentissages avec vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît sincèrement. On se retrouve du coup mercredi à 10h pour le premier épisode de la série Road to Success. D'ici là, oublie pas un truc, souris à fond, ça fait une immense différence. Et à bientôt. Ciao à tous.